La nuit de la foi, pour moi, c'est une crise intérieure qui se présente, où l'être se trouve dans une obscurité totale, démuni d'espérance, de foi, de tout ce qui peut faire le soutien de la vie. J'appellerais nuit de la foi des périodes d'obscurité durant lesquelles, pour une partie des personnes, je dirais tout le goût de l'expérience spirituelle disparaît, comme si cette rencontre avec Dieu cessait en quelque sorte. Et puis, quelquefois, c'est plus grave que ça, c'est même la foi elle-même qui rentre dans un désert. L'avantage du désert, je trouve, comme image, c'est que ça parle bien de cette aridité, cette dureté, et en même temps, ça renvoie à tout un imaginaire biblique sur le désert, qui a un sens très fort en tant que tel. La foi a Dieu pour objet, et dans la nuit de la foi, eh bien, cet objet de la foi, cette personne divine, n'est plus perçu sensiblement, ni même par l'imagination, ni même par l'intelligence. La nuit de la foi n'est pas simplement un petit problème de foi qu'un croyant va rencontrer, mais c'est plutôt un problème d'aridité rencontré par quelqu'un qui est déjà engagé fortement sur ce chemin. J'ai eu la foi quand j'étais enfant, à partir de 14 ans, 15 ans, plus petit au catéchisme, hein. Naturellement, on a la foi que les parents nous donnent, et maman avait la foi, me l'avait communiquée. Après, j'ai fait une rencontre tout à fait particulière, alors que j'étais hospitalisé. J'ai rencontré la Vierge Marie en lisant un article me parlant d'elle, parlant de Lourdes, et ça m'a sauté au cœur. J'ai ressenti un grand amour me venant d'elle. Donc, j'ai eu le sentiment que il fallait que je donne ma vie au Seigneur. Donc j'ai eu un désir d'être prêtre, de devenir prêtre. Donc j'ai appris le latin, j'ai fait des études, comme je pouvais, parce que j'avais quitté l'école à 12 ans. Alors donc il y avait cette foi qui va disparaître. Une personne qui a souvent vécu un sentiment de la présence de Dieu fort, et brutalement il va passer à une autre période où ce sentiment va diminuer, ou va complètement disparaître, et où finalement tout ce qu'il avait acquis, tout ce qu'il pouvait y avoir de confortable, si j'ose dire, dans l'expérience chrétienne, lui est enlevé, et il va rentrer sur un terrain aride et caillouteux. Les événements de la vie vont me passer par-dessus et vont faire que le désespoir va s'installer. Je me souviens du jour où j'ai quitté ma famille. J'avais 17 ans. Je venais de me battre avec mon beau-père, celui qui avait remplacé mon papa, qui est mort dans des conditions terribles, hein, puisqu'il est mort dans la rue. Il buvait. Et le soir où j'ai quitté la maison, donc j'habitais Marseille, hein, dans les cités nord. Je pars après m'être battu. Je ne pouvais plus rester chez moi parce que j'y arrivais plus. Alors j'ai marché et je me souviens m'être arrêté à un oratoire qui se trouve à Kerkeran. Et cet oratoire, c'est un oratoire dédié à la Vierge Marie. Je me souvenais de la rencontre que j'avais faite avec elle quelques années plus tôt. Marie a été le premier amour de ma vie. Alors pour la remercier, pas pour lui demander quoi que ce soit, j'ai cueilli un coquelicot. Et puis le coquelicot, c'est une fleur à peine cueillie, elle est déjà fanée. Hein. Donc c'était un petit geste tout à fait dérisoire, mais en tout cas qui venait de mon cœur. J'ai déposé ce coquelicot sur la grille de l'oratoire. Je l'ai remercié pour tout ce qu'elle avait fait pour moi. Je savais plus si elle existait. Je savais pas si le ciel était vide, s'il y avait quelqu'un. Je voyais au loin le jour se lever. Je me suis dit, bon, ben moi, c'est la nuit qui arrive. J'ai senti que la nuit allait s'avancer de plus en plus profonde et que j'allais y pénétrer et que je savais pas où j'allais. Là, voilà, ça a été pour moi le début de la nuit de la foi. J'avais cru, je croyais plus. Marie va rester dans le ciel noir, dans la nuit, le seul point lumineux, la seule espérance que je pourrais avoir. Mais j'ai continué mon chemin jusqu'à m'engouffrer dans cette nuit qui va m'environner, quoi. Et qui va me pousser au désespoir.
c'est assez fréquemment une expérience douloureuse, hein. Vont se mélanger probablement à certains moments une dimension spirituelle, quand on parle de la nuit, mais aussi une dimension psychologique. Et il peut y avoir des dépressions graves qui se mêlent à ça. Hein. Et dire c'est l'un ou l'autre, dans certains cas, me paraît difficile. C'est quelquefois un mélange de l'un et de l'autre. On est dans une telle sécheresse à ce moment-là, dans un tel manque d'amour, que ce manque d'amour peut être insupportable. Si on prie, ça va pas, on se sent pas en communion, on a l'impression de vraiment avoir rien, quoi, devant soi. Le Christ ne vient pas. Il peut y avoir plusieurs raisons qui peuvent déclencher une crise de la foi, qui peut être une nuit. Il y a des raisons qui sont des raisons complètement, d'une certaine fatigue intérieure, le sentiment de tourner un peu en rond et un désir de quelque chose d'autre. Ça, c'est ce qui peut arriver de plus calme. Mais j'ai l'impression que ce qui peut arriver aussi, c'est un mur dans lequel vous entrez. Si on pense à l'apôtre Pierre, Pierre est quelqu'un qui est absolument sûr de lui, tout à fait enthousiaste, toujours, hein, qui réagit le premier, qui fait des grosses bêtises après ou qui se rate, voilà. Et pour lui, je pense que la crise du reniement que Jésus lui avait annoncé, hein, va entraîner chez Pierre une cassure, une rupture très forte. Et donc, il peut y avoir des formes très diverses. Et dans la Bible, ce que je trouve très intéressant, c'est de voir aussi que la plupart des grands personnages bibliques ne sont pas présentés comme ayant une vie tranquille, mais étant passés par des crises, par des dépressions. La figure de Job me touche particulièrement parce que ceux qui l'entouraient le mieux, son épouse et ses soi-disant amis, ont été aussi des éléments de cette nuit, puisqu'ils ont poussé cette nuit au maximum en le tentant. Mais Job a répondu, je sais que mon Rédempteur est vivant et que je le verrai. C'est-à-dire, la seule réponse à la nuit de la foi, c'est l'acte même de la foi. Finalement, c'est ça qui les fait changer. Pierre n'a pu être le Pierre responsable de la communauté naissante que parce qu'il avait vécu cette crise et cette souffrance. Le doute, pour le croyant, n'a jamais signifié le contraire de la foi. Pour une raison très simple, c'est que la foi n'est pas du même ordre que la certitude naturelle. La foi, c'est une connaissance certaine au sens où elle a Dieu pour objet, mais c'est une connaissance obscure. Est-ce que c'est réel tout ça? Est-ce que c'est réel? Bon, vous me dites il est ressuscité, c'est un fait. Moi, je veux bien ce que vous me dites. Il est à la droite du Père. Un fait. Oui, dans le credo. Il reviendra dans la gloire. Oui, dans le credo. C'est-à-dire, ce n'est pas des faits historiquement repérables, je veux dire documentés. Ce n'est pas quelque chose que mon intelligence, à quoi mon intelligence a accès par elle-même. La foi, c'est l'accueil d'une révélation. Alors, cette révélation me met en présence de la vérité, mais si elle ne m'avait pas été révélée, cette vérité, je ne pourrais jamais la découvrir par mes propres forces. Et c'est là où c'est tout le paradoxe de la foi. C'est une connaissance, puisque je suis en présence d'une vérité, mais une connaissance qui est obscure, et donc ce n'est pas une certitude naturelle, au sens où cette connaissance, je n'aurais jamais pu y avoir accès si elle ne m'avait pas été donnée. La foi, c'est l'accueil de la révélation. Je pourrais la perdre si je me l'étais donnée. Mais si on se souvient que la foi est un don, elle est à la garde de Dieu. Et Dieu ne se reprend pas. Donc les dons de Dieu sont sans repentance. Donc on ne perd pas ce que nous ne nous sommes pas donné. En revanche, nous perdons le sentiment que nous avions pu avoir de la foi. Progressivement, elle disparaît sous l'accumulation de mon angoisse, de mon stress, de mes problèmes. Je ne m'intéressais à rien. C'est le néant, c'est-à-dire, je ne savais pas pourquoi j'étais là, quoi.
dans la nuit de la foi, il n'est pas là, hein. Il n'est pas là, il est absent. Moi, le mot absent, je le remplace par le mot retrait. Il se retire. Il se retire où ? Ben, il est en nous, tout simplement. Il est en nous, mais il se cache quelque part. Il y a un poème que j'ai écrit pour dire mon désespoir. Une dernière fois crié, ne pas rendre les armes si tôt comme un soldat battu parce qu'il serait seul avec des morts autour. Une dernière fois pleuré, ne pas perdre ses yeux, à regarder sans voir comme une eau dans le sable. Une dernière fois prié, vers un Dieu souvenir, en regrettant un peu ne l'avoir pas connu. La troisième strophe, quand j'ai retrouvé le poème, m'a arraché toutes les larmes de mon corps, parce que j'avais oublié le poème. Quand j'ai retrouvé la foi, j'ai retrouvé le poème, je me suis dit, mais bon sang, il m'a pas oublié le Seigneur, il m'a pas oublié. Une dernière fois prié vers un Dieu souvenir, c'est-à-dire le Dieu trait d'union souvenir de mes 15 ans, quand j'ai rencontré Marie, quand j'ai voulu être prêtre, quand j'ai commencé à lire des livres sur la foi, quand j'étais gonflé de foi, de paix, de tranquillité, je me sentais heureux. C'était ce Dieu souvenir que j'avais perdu, moi. Je m'étais éloigné, pas lui. Il était toujours là. Donc, il y a une relation. Mais la manière dont cette relation est vécue ne s'appuie plus ni sur la sensibilité, ni sur l'imagination, ni sur l'intelligence. Et donc laisse celui qui vit cette relation comme démuni, Saint Jean de la Croix, cette magnifique expression, appuyé et pourtant sans appui. Nous sommes au cœur du Berry, dans le diocèse de Bourges, au centre Saint Jean de la Croix, animé par la société Saint Jean de la Croix, pour des sessions, des éditions, des entretiens, pour former à la vie spirituelle chrétienne. Dans les milieux catholiques, beaucoup lient Nuit de la foi à tout l'enseignement là-dessus de Jean de la Croix. Avant lui, on parlait plutôt des hivers de l'âme, on avait d'autres images. Hein. Mais depuis Saint Jean de la Croix, beaucoup ont repris cette image de la nuit. Ce qu'il a écrit de la vie spirituelle parle à la fois à l'affectif, au cœur et à l'intellect. Chez lui, l'expérience de la foi comme nuit, c'est une nuit affective et une nuit intellectuelle en même temps. Philosophique, si vous voulez. Aucune épreuve ne nous est envoyée au-dessus de nos forces. Et Saint Jean de la Croix dit bien que la première nuit, c'est la nuit des sens. C'est-à-dire le dépouillement de soi, l'épuration. Après, si la personne est un peu plus intellectuelle, ça sera la nuit de l'intelligence, de l'esprit. Bon, ça peut s'arrêter là. Mais quand vous atteignez le dernier niveau, c'est-à-dire que vous rentrez dans vos profondeurs, que vous rentrez dans la forêt profonde ou dans les abysses, vous rencontrez le monstre, ce monstre-là, souvent, n'est rencontré que par les grands mystiques. Plus vous avez, on pourrait dire, une sensibilité mystique, où vous avez fait des expériences de où vous ressentez Dieu présent, plus l'absence devient très terrible et douloureuse. Ces personnes qui vont très loin dans leur nuit connaissent ce qu'on appelle la nuit de la ressemblance, où on vous montre ce qu'est vraiment la vraie lumière, et face à la vraie lumière, vous voyez vos ténèbres, et à ce moment-là, c'est terrible. Vous dites, jamais je ne serai semblable à... La foi est à la fois ressentie par la peur que nous en avons, je dirais, comme... se cacher, obscurité, absence de lumière. Et malgré tout, on veut la lumière. Donc c'est ambivalent. Mais Jean de la Croix nous apprend à ne pas avoir peur de la nuit. Jean de la Croix nous dit, mais dans son poème de la nuit, plus aimable que l'aurore, il décrit d'une façon extrêmement lyrique, nuit d'amour, qui voit l'union de l'aimé avec sa bien-aimée. Tout ce que va nous dire Jean de la Croix aussi... sera, mais laisser faire,
vous n'avez rien d'autre à faire que d'accepter quoi ? D'être aimé, tout simplement. C'est quelque chose qui est très beau, c'est quelque chose qui est quand même très lié à sa culture, à son époque, à son milieu aussi. Il s'adresse quand même, quand il écrit, à des gens engagés sur le même chemin que lui, très radicaux. Je ne veux pas sous-estimer l'épreuve de Jean de la Croix. Enfin, toujours est-il que, pour moi, c'est La nuit dans les jardins d'Espagne de Manuel de Falla. Hein? Alors, je vois, par exemple, quand Edith Stein, dans son grand livre sur la science de la croix, elle appareille un peu ce que peut éprouver le chrétien comme étant une sorte de duplication de la nuit de Saint-Jean de la Croix. À mon avis, quand on est dans les Landes et les Grisailles de Hollande ou de Pologne, la nuit est tout à fait autre chose que dans les jardins d'Espagne. Le XXe siècle, surtout avec cet effroyable surgissement des régimes totalitaires, des religions séculières, Jean de la Croix ne connaît pas. Jean de la Croix ne connaît pas. Le contexte est vraiment autrement différent. C'est un autre monde. Et je pense que c'est quand même une nécessité de traduire ça en français courant pour des gens, j'allais dire, normaux. Parce que je pense que beaucoup de chrétiens qui sont assez loin des grands mystiques vivent douloureusement des choses comme ça. Et que le fait d'être capable de leur en parler, je crois que c'est très libérateur. Nous avons toujours intérêt à nous mettre à l'écoute de ceux qu'Edith Stein qualifiait de « ceux qui connaissent la vie intérieure ». Parce qu'ils ont été attirés par une main puissante dans le mystère. Très souvent, et chez beaucoup d'auteurs, chez beaucoup de gens qui ont vécu cela et qui l'ont rapporté, la nuit, non seulement est une absence, enfin un sentiment d'absence, mais met un doute sur ce qui a été vécu avant. C'est-à-dire qu'on a du mal à imaginer que le jour puisse exister quand on est dans la nuit. Et le propre de la nuit, d'une certaine manière, c'est d'être dans une sorte de tunnel dont on imagine qu'il n'y a pas de bout, qu'il n'y a pas, alors qu'il y en aura un. Je me souviens d'une nuit où là, j'étais tellement mal que je me suis allongé par terre et je regardais le ciel. Et j'étais désespéré, je pensais à mon père qui était mort dans la rue. C'était un ciel d'hiver, les étoiles, ça bougeait pas, elles étaient figées. Et là, je me suis dit, mais je m'adressais au Seigneur, j'ai dit, tu n'existes pas, c'est pas possible. Ou si tu existes, c'est que tu t'en fous complètement de moi. Tu m'abandonnes. Hein, je suis un peu ému là, hein. Tu m'abandonnes. Alors j'ai pris une pierre et je l'ai jetée contre Dieu. C'est la première fois, c'est la seule fois de ma vie où j'ai fait un geste pareil. Et au moment où j'ai jeté la pierre, au moment où la pierre a décollé de ma main, avec toute la force de ma jeunesse, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu insultes Dieu? Mais qui tu es? Tu es une fourmi dans l'univers, tu n'es rien du tout. Et toi, tu insultes Dieu. J'ai regretté instantanément la pierre que j'ai jetée. Instantanément, c'était... Et instantanément, j'ai compris, c'est très difficile à expliquer, que j'étais déjà pardonné. Et cette pierre, comme le coquelicot d'ailleurs, je ne l'ai jamais oublié, le coquelicot à Marie, je ne l'ai jamais oublié. Et quand j'ai retrouvé la foi, j'ai l'impression que le Seigneur me disait, tu vois André, la pierre que tu m'as jetée, ce n'est pas une pierre, pour moi, c'était une... prière. Et en retour, la pierre n'est pas retombée. Je ne l'ai pas vu retomber, d'ailleurs. La pierre n'est pas retombée. Par contre, j'ai été inondé de grâce. Comme si, en retour de cette pierre, prière, je recevais toutes les grâces du malheureux qui a crié, quoi. Moi, je crois beaucoup dans l'assistance de Marie. Pour moi, c'est ma maman du ciel, voilà.
J'ai pas eu la chance d'avoir une maman très affectueuse. Dans le silence, je regarde ses yeux et elle me dit plein de choses. Très réconfortantes, très consolantes. Et je l'ai expérimenté beaucoup pendant le deuil de mon mari, là, puis je suis encore en deuil. Je pense que c'est loin d'être terminé. Mais c'est très réconfortant. Notre-Dame de Mion est au cœur de la Savoie, pas très loin de Chambéry. C'est tout simplement ici, en fait, un petit oratoire, hein, aux environs de l'an 1000, qui est là, au bord de la route, où on s'arrête un instant pour prier, pour reprendre souffle. Ça marque ce que l'on vit ici, au sanctuaire, toujours. C'est un endroit où on peut passer devant pendant des années, et puis un jour, on décide de s'y arrêter, parce qu'il y a cette statue dorée qui est à l'extérieur, hein, qui attire les regards. Elle nous présente le Christ, et c'est elle qui nous accueille et qui nous conduit ici, à travers cette nef, et qui va nous conduire jusque dans le cœur où, là, nous trouvons bien sûr la statue de Notre-Dame de Mion, qui veille sur nous et qui nous accueille. La statue que vous voyez, en fait, c'est un coffre, hein, recouvert par le manteau, hein, de la Vierge Marie. La statue d'origine, en fait, elle est à l'intérieur du coffre. Elle a été très fragilisée par les siècles. Le lien entre Mion et les Nuits de la Foi, c'est l'événement qui fait que ce petit oratoire au bord d'une route est devenu église de pèlerinage. L'histoire du sanctuaire est intimement liée à la Chartreuse, au massif. On est le 24 novembre 1248, en plein XIIIe siècle. Cette nuit-là, on a l'effondrement de cette montagne. C'est toute la falaise qui a été entraînée et qui a dévasté cette région. En quelques minutes, on a autour de 3000 morts. Et pourtant, sur cette colline qui est au milieu de vallée, hein, Mion, c'est le milieu, hein, dans la langue savoyarde, on a cette petite chapelle qui a subsisté, qui est restée debout, ce petit oratoire au bord de la route. Et de fait, bah, ça a énormément frappé les gens dans le traumatisme qu'ils venaient de vivre, de voir cette petite chapelle, cette statue de Marie, sans doute la petite croix sur la chapelle qui reste debout. Est-ce que ici, il y a véritablement un miracle ? On peut se poser la question. Parce que, ok, quelques moines ont survécu. Il y a quand même 3000 morts. Est-ce qu'on peut oser parler de miracle ? Je crois que cet effondrement, ça peut être le mal que nous avons subi ou que nous subissons. Ça, on n'en est pas responsable. C'est ce que nous subissons, on est victime. Et donc, c'est aussi cela que parfois on a besoin de déposer ici. Je crois que le miracle n'est pas dans la préservation de ces moines. Elle est dans le fait que Marie se tient là. Comme finalement, elle se tient au pied de la croix. Debout. Dans la foi, dans l'espérance, mais elle se tient là, ravagée, intérieurement, au pied de la croix, à cause de la mort de son fils. Et puis ici, elle voit le drame de notre humanité. C'est quelque chose de très important ici à Mion. On est dans un lieu assez largement antérieur aux apparitions mariales du 19e, 20e siècle. Ici, Marie n'apparaît pas. Ici, elle ne parle pas. Elle est là. Et je crois que c'est ça qui importe. Elle est là, au cœur de nos échecs et au cœur de nos morts, au cœur de nos incapacités, de nos chutes, de nos ténèbres. Elle est là avec nous, présente, témoin d'espérance. Et c'est un geste de consolation. La statue qui est dehors sur la tour, on voit Marie qui est avec la couronne des ducs de Savoie et qui est en train de bénir la Savoie. Mais ce geste de bénédiction, cette main tendue, est-ce que c'est pas une main qui caresse ? Est-ce que c'est pas une main qui vient prendre dans les bras ? Est-ce que c'est pas une main qui vient consoler ? C'est le premier pas vers une résurrection possible. Un premier geste de miséricorde. La Vierge au Samedi Saint, c'est l'incarnation, pour moi, la plus parfaite de la Nuit de la Foi. Elle a cru devant le tombeau vide. Et c'est elle, et c'est par sa foi, et c'est par sa nuit que nous pouvons, nous aussi, traverser l'épreuve de ce tombeau vide. C'est un immense mystère parce que devant le tombeau vide, il y a toutes les nuits du monde, il y a toutes les désespérances, il y a toutes les brisures, il y a tout ce à quoi nous n'avons pas de réponse. Et Marie a consenti
à ne pas répondre. Et ce que je trouve magnifique, c'est que devant le tombeau vide, elle n'a pas essayé de parler. Devant le tombeau vide, elle est entrée dans le silence. On traverse la nuit de la foi en entrant dans la nuit. On ne traverse pas la nuit sans y entrer. Elle y est entrée, mais on sait qu'elle l'a traversée. Et donc, en elle, nous avons la plus belle espérance de notre propre et de nos propres traversées. Quand je me suis retrouvé dans les rues de Marseille, je regardais Notre-Dame de la Garde. Et je la regardais dans le ciel, à Marseille. Je la regardais et je lui disais, mais Marie, c'est pas possible que tu n'existes pas. Moi, je pourrais pas vivre sans toi. Cet amour que tu m'as donné, cet amour que j'ai reçu, je l'ai pas inventé. À 15 ans, on n'a pas des petits verrous dans la tête. Hein. Je t'ai pas rêvé, c'est une réalité. Et je me suis mis à monter à Notre-Dame de la Garde. Et curieusement, quand j'arrivais à Notre-Dame de la Garde, je ne rentrais pas dans la basilique parce que moi, je m'en étais fermé les portes par mes propres décrets, quoi. Alors, je regardais de l'extérieur et les portes étaient grandes ouvertes et je voyais la Vierge Marie au fond, sa statue, et je continuais à lui parler. C'est peut-être l'une des plus belles prières que j'ai dû lui adresser. Cette prière d'un homme déboussolé, perdu, en naufrage, et qui dit à la Vierge Marie, sans toi, je ne peux pas exister, il faut que... C'est impossible, la vie sans toi, ce n'est pas possible. Et je reviens souvent, parce que là-haut, je suis bien, je suis apaisé. Je ne suis pas encore en paix, mais je suis apaisé. Et un jour, il va s'imprimer dans mon esprit, mais alors ça a été très fort, très fort. Un prénom, Thérèse. Fini par acheter, évidemment, bouleversé, histoire d'une âme. J'ai une chose qui ne s'est jamais passée de toute ma vie, comme des pans entiers de tristesse, de désespoir qui s'écroulent. On aurait dit par moments que toute une mauvaise eau partait de moi à la lecture de ce que cette petite-là de 24 ans me disait, écrivait. L'André qui a fermé le livre de Thérèse n'a plus jamais été le même que celui qu'il a ouvert. Plus jamais. Ça fait 40 ans que ça dure. Ça fait 40 ans que je vis avec elle. Quand elle connaît sa propre épreuve, à partir de ce jour de Pâques où les ténèbres s'emparent d'elle, on pense que c'est la nuit de Jean Lacroix. Pas du tout. Pas du tout. C'est tout à fait autre chose. J'opposerai pas, hein, Thérèse de l'Enfant Jésus à Jean de la Croix. L'expérience a des tas d'analogies. Mais je croirais faux de l'expliquer par Jean de la Croix. Je ne pense pas qu'il y ait une dépendance même intellectuelle très directe. Elle fait partie des génies, et de ce point de vue, qu'elle soit docteur de l'Église, c'est quand même significatif. C'est quelqu'un qui a pas copié, hein, qui a créé. Thérèse de Lisieux, brusquement, 16 mois avant sa mort, dans la nuit de Pâques, elle a réalisé qu'elle était tuberculeuse et qu'elle allait probablement mourir. À l'époque, c'était extrêmement répandu. Et à partir de ce jour, écrit-elle, les noms de Jésus, le mot le ciel, qui faisaient toute ma joie jusqu'à présent, ont perdu toute saveur pour moi. Perdre la foi, c'est évidemment, c'est une expression que Thérèse de l'Enfant Jésus trouve spontanément. Mais elle dit plutôt, elle précise, elle dit, je perds la jouissance de la foi. Cette espèce d'enchantement du monde, hein, qui rend le monde supportable. Tout s'effondre. Alors, selon d'ailleurs une logique très étonnante, c'est quand le Vendredi Saint, et là, ses émois physiques, elle se sent cruelle, qui lui annonce sa mort, elle se réjouit. C'est vraiment, en quelque sorte, une sorte d'exaltation, d'enthousiasme pascal. Et puis, le jour de Pâques lui-même, qui est donc le jour liturgiquement destiné à célébrer cela, c'est l'effondrement. Donc il y a une inversion très étonnante dans le cas de Thérèse. À l'oraison, j'ai l'impression d'être devant un mur, dans un tunnel, dans la brume. Voilà les images qu'elle emploie. Rien ne me répond. Personne ne me répond.
J'ai l'impression d'être seul. Elle ne sentait plus Dieu. Elle ne sentait plus rien. Alors qu'avant, elle était dans le sentir. Elle était dans l'affectif, très, très fortement. Tout son univers mental, tout ce qui faisait, comme elle dit, la jouissance de la foi, disparaît pour céder la place à des ténèbres. Et des ténèbres qui ne sont pas passives, des ténèbres actives, qui ricanent à son oreille pour lui dire « Tu crois ça, mais non, c'est nous qui l'emporterons finalement, tu vas vers le néant. » Lorsque je veux reposer mon cœur fatigué des ténèbres qui l'entourent, par le souvenir du pays lumineux vers lequel j'aspire, mon tourment redouble. Il me semble que les ténèbres, empruntant la voie des pécheurs, des incroyants, me disent en se moquant de moi, « Tu rêves la lumière, une patrie embaumée, embaumée des plus suaves parfums, tu rêves la possession éternelle du Créateur de toutes ses merveilles, tu crois sortir un jour des brouillards qui t'environnent. Avance, avance, réjouis-toi de la mort qui te donnera non ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore, la nuit du néant. » Mère bien-aimée, elle écrit à la prieure, « L'image que j'ai voulu vous donner des ténèbres qui obscurcissent mon âme est aussi imparfaite qu'une ébauche comparée au modèle. Cependant, je ne veux pas en écrire plus long, je craindrais de blasphémer. J'ai peur même d'en avoir trop dit. » Elle disait, quand je chante à l'office la louange de Dieu, je chante ce que je veux croire. Tout est dans le « je veux », hein, parce qu'il ne lui reste que ça. Hein, j'allais dire le sentiment de la foi. C'est très impressionnant à certains moments, cette tension interne entre une sorte d'impossibilité de croire et d'une volonté de croire. On a l'impression que c'est une foi qui certainement est à la force du poignet, mais en même temps avec une espérance et une connaissance que c'est la grâce qui peut faire quelque chose et pas moi, d'une certaine manière. Il ne lui reste qu'une chose, c'est de vouloir aimer. C'est vraiment, l'amour, c'est la direction pour elle. C'est ce qui va lui permettre, en quelque sorte, de passer au-delà du néant. Hein? Et c'est pour ça qu'elle dit « je veux croire ». Parce qu'elle veut aimer, c'est ça pour elle. Hein? Alors que rien n'est aimable. La seule réponse à la nuit de la foi, c'est l'acte de la foi. Thérèse de l'Enfant Jésus dira qu'elle n'a jamais posé autant d'actes de foi que pendant la dernière année de sa vie. Et c'est là qu'elle a rejoint le Christ à Gethsémani et sur la croix. C'est à ce moment-là. Parce que subitement, elle s'est dit, mais il y en a un qui a connu ça. C'est Jésus. Est-ce que le Christ a connu ça? Alors s'il est le cas, comme on peut avoir tendance à le penser, alors c'est le moment où il rencontre Dieu, où il pousse un grand cri et il expire. Ce cri n'est pas dit que c'est un cri de douleur. C'est le cri du nouveau-né, lorsqu'il peut respirer avec ses propres poumons. Et tout le monde attend ce cri-là, parce que c'est la garantie d'une vie qui va enfin éclore. C'est le moment où le Père et le Fils se retrouvent réunis par l'Esprit. À partir du moment où il rend l'Esprit, il expire. C'est-à-dire, il le rend à son Père. Et l'union est totale à ce moment-là entre eux. La nuit, bon, elle a déjà commencé à Gethsémani, c'est vrai. Mais ça, la voilà maintenant, j'allais dire, qui le prend au collet d'une certaine manière. Je situe ça, cette angoisse, bien avant Gethsémani. Parce que, bien avant le jeudi saint, quand il parle à ses disciples, il dit « Je vais aborder mon baptême. » Je pense que c'est le baptême de sang qu'il voit. Et je suis dans le désespoir. Il le dit à ses disciples. Et j'imagine toujours, quand on est au moment de l'Eucharistie, quand il dit « Prenez le pain, voilà, partagez-le, le vin, c'est mon sang, et faites-le en mémoire de moi. » En mémoire de moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, le partage, bien sûr. Mais aussi le fait que moi,
Eh bien, j'ai connu même à ces moments, moments de partage, moments conviviaux, moments de ces moments importants où tout le monde était là pour fêter la Pâque qui arrivait. C'est le désespoir. C'est le désespoir face à ce qu'il attendait. Il l'expérimente, et il expérimente jusqu'au bout complètement notre mort. Et donc du coup aussi toutes nos épreuves. Dans l'évangile de Luc, hein, c'est maintenant votre heure, c'est la domination des ténèbres. Celui qui est la lumière du monde vit cette expérience des ténèbres. La nuit de la foi, moi je pense que les deux modèles les plus proches pour nous, c'est quand même Thérèse de l'Enfant Jésus, ça c'est clair. Et puis son homologue d'une autre génération, c'est Thérèse de Calcutta. C'est-à-dire qu'à la fois on est dans les pas de la première Thérèse, mais d'une façon tout à fait différente. Les frères missionnaires de la charité ont été fondés par Mère Thérèse de Calcutta en 1963. 13 ans après les sœurs, les sœurs étaient fondées en 50. À Paris, nous avons une mission dans le 15e. Et ici, dans la chapelle, nous avons la grâce d'avoir une relique de Mère Thérèse. C'est une goutte de sang qui est couverte par un petit morceau de verre. Et le verre, c'était en fait, à l'origine, était une protection qui protégeait le corps de Mère Thérèse. Après sa mort, il a été exposé dans l'église Saint-Thomas à Calcutta. Et après l'enterrement, ce petit gros morceau de verre a été coupé en petits morceaux et chaque communauté a reçu un morceau. Jusqu'au moment où elle a fondé les missionnaires de la charité, elle n'était pas dans les ténèbres, elle était plutôt dans une grande consolation. Elle vivait une profonde union avec Dieu. Tout est débuté, donc quand, si vous voulez, entre guillemets, quand les difficultés pratiques ont été surmontées, qu'elle a commencé à être connue, reconnue, estimée et tout ça, c'est là que les ténèbres sont arrivées. Ce qui est mystérieux chez Mère Thérèse, c'est la durée. C'est le fait qu'il ne s'agit pas d'un passage, il ne s'agit pas d'une crise, il s'agit de quelque chose qui ne s'est jamais arrêté jusqu'à la fin de sa vie. Et ça, c'est effectivement assez impressionnant. Tous ceux qui vivent la nuit de la foi, chaque heure, ils se demandent comment ils arriveront au bout de la même journée. Et pourtant, pour Mère Thérèse, 50 années à peu près se sont écoulées. Si on lui avait dit au départ qu'elle entrait dans une nuit qui allait durer autant de temps, ça défie de toute façon toutes les lois humaines et psychologiques d'ailleurs. Et elle dit, à plusieurs reprises, dans plusieurs lettres, je suis sans Dieu. Je ne sais même pas si Dieu existe. Quand elle priait, elle disait, mais j'ai l'impression que ma prière ne vaut rien. C'est la sécheresse, le découragement, le retrait de Dieu, l'absence de Dieu, elle se sentait seule. Son discours est centré sur sa solitude. Mère Thérèse, dans sa correspondance, elle essaie de s'expliquer à son directeur et on voit bien qu'elle se débat avec ce qu'elle ne comprend pas au départ. Et pourtant, elle ne cède pas au mutisme. Et ça, c'est un paradoxe. On est devant un mystère devant lequel les mots manquent, et pourtant, celui qui l'éprouve n'abdique pas et ne cède pas au mutisme. Le silence du mystique n'est pas le mutisme, ce n'est pas l'enfermement. Son directeur spirituel, l'évêque, ont gardé des lettres qu'il avait envoyées, et après sa mort, on a découvert toute cette documentation qui nous a appris beaucoup de choses. Excellence, je veux vous dire quelque chose, mais je ne sais pas comment l'exprimer. Je désire, d'un désir immense et douloureux, être toute à Dieu, être sainte de telle manière que Jésus puisse pleinement vivre sa vie en moi. Plus je le veux, moi il me veut. Je veux l'aimer comme il n'a jamais été aimé. Et pourtant, il y a cette séparation, ce terrible vide, ce sentiment d'absence de Dieu. Elle vit tout ça dans elle et c'est très difficile pour elle de le comprendre et même encore plus de l'expliquer. Elle vit d'un côté un amour et une intimité profonde et en même temps, c'est tout est froid, tout est glacial, tout est ténèbre.
Les sœurs qui venaient s'ouvrir à elle de leurs propres difficultés et qui ignoraient ce qu'elles-mêmes vivaient, se retirent de leur entretien avec elle consolées, alors même qu'elle ne savait pas comment elle avait pu les consoler, alors qu'elle était elle-même sans consolation. Je la compare à une lampe, à une source lumineuse, qui éclairait ceux qui l'approchaient, mais qui elle-même ne jouissait pas de sa propre clarté. Alors ça, c'est bouleversant, parce que avant de savoir ce qu'elle vivait, quand on la regardait, quand on la voyait vivre, on se disait, mais elle est illuminée, au sens où elle est irradiée de l'intérieur par cette lumière. En réalité, elle donnait ce qui la traversait, mais dont elle ne jouissait pas elle-même. La foi s'accompagne des œuvres, et notamment des œuvres de charité. Or, l'amour du prochain est l'expression par excellence de cette charité. Donc, le don de soi aux autres peut tout à fait s'accompagner d'une foi vive, d'une foi éclairée. Bon. Ce qui est surprenant et encore plus bouleversant, c'est qu'on a une personne qui pose les actes de la foi, dont la foi se traduit en actes, mais sans que ces actes émanent d'une volonté qui s'appuierait sur des mobiles naturels. La source de ces actes est au-delà de la nature. Elle se situe dans un bien éternel. En fait, c'est Dieu lui-même qui opère dans la nuit de la foi. Simone Veil disait que seul le bien éternel est la source inaltérable, inépuisable de l'activité. Et on le voit chez Mère Teresa. Les actes sont posés avec une fidélité indéfectible, alors même qu'ils ne puisent pas à une source naturelle. Sa foi s'est concentrée, limitée sur le service, sur la foi, au fond, j'ai l'impression, qui est celle de beaucoup de chrétiens. C'est-à-dire une foi qui repose sur la confiance qu'on fait à Dieu, la certitude, quelque part, de la présence de Dieu, mais qui ne se ressent pas, qui ne se vit pas comme un ressenti, comme une expérience au sens forte. Ce sont les choses les plus prosaïques qui sont les plus secourables. Il y a des êtres à visiter, il y a un quotidien à assumer, il y a des actes à poser. Eh bien, faisons ce qui est à faire. Et c'est cela, je pense, qui permet, peut-être, sans raideur, de trouver une forme de pacification dans l'obscurité. Une dame très généreuse qui s'était intéressée à mon cas. Je trouve un travail ici, à Aix-en-Provence, et j'arrive ici comme imprimeur. J'avais appris ce métier sur le tas. Alors cet immeuble-là appartenait à une dame, une grand-mère, et elle a une petite fille qui vit avec elle, qui fait ses études à l'université Aix-en-Provence. Cette jeune fille, Martine, eh bien, va devenir mon épouse. Donc ben, quand je suis arrivé ici, dans cette maison, dans cette imprimerie, faire connaissance de Martine, il me semblait qu'un jour nouveau commençait peut-être à poindre. Ça a été une porte ouverte sur quelque chose de mieux, de meilleur, de moins douloureux. Ça m'a apaisé un moment, ça m'a tenu la tête hors de l'eau, et ça grâce à mon épouse qui s'est trouvée là. Je vais mettre du baume sur mes blessures. Ici va commencer peut-être le début de la fin de ma nuit de la foi. La volonté de Dieu, elle parvient toujours par des médiations. C'est-à-dire que c'est pas vous qui allez en quelque sorte avoir le chic de pouvoir la déterminer comme ça dans votre promotion de discernement personnel. C'est par le biais des autres que ça vient. C'est-à-dire que là, il faut pas oublier quand même l'importance cardinale, fondamentale, j'allais dire, de la communauté et de l'échange à l'intérieur de la communauté. La volonté de Dieu, elle vient par les autres. Ce que je dis à certaines personnes, reprenez confiance en vous. La confiance, c'est la qualité première, je dirais, du soi, qu'il faut avoir en exergue en permanence. Vous devez vous accepter tel que vous êtes. Et par ce biais, vous allez pouvoir reprendre confiance en vous et continuer à avancer.
C'est à ça que je dois m'accrocher. Je retrouve confiance. Je sais que je ne suis pas seule. Je sais que je ne serai jamais seule. Donc je peux redémarrer. Que l'antidote du découragement soit la confiance plus que le courage, je crois que c'est vrai et je crois que le courage, très souvent, va venir de la confiance. Hein? Mais je pense que dans la vie spirituelle, tout un chemin passe par l'abandon de la confiance que j'ai en moi-même et en mes propres capacités pour m'en remettre à la confiance en Dieu. Je me suis retrouvée dans cette nuit-là face à un apocalypse. Je me suis dit, si tu choisis le vide, le rien, ça va être une apocalypse sans royaume. Et si tu choisis la confiance, tu vas repartir sur l'apocalypse qui est en fait la révélation. La révélation de quoi ? C'est d'un Dieu d'amour. Et à ce moment-là, eh bien tu vas travailler pour le royaume. Il est là, le royaume, tous les jours. Et tu vas pouvoir le dire aux autres. Et ça, ça m'a redressée. J'avais un trou béant en moi, c'était le manque de Dieu. J'ai toujours cherché Dieu. Je me plaisais dans mon imaginaire à me dire souvent, si Dieu existe, je le verrai arriver. J'ai rien vu arriver. Lorsque j'y reviens, je suis toujours un peu ému. Ça s'est passé il y a 40 ans. Au bout de ce chemin, il y avait un homme qui m'attendait. Enfin, il semblait en tout cas m'attendre. C'était un franciscain, avec une belle barbe. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a saisi le bras et il m'a dit « André, venez avec moi, on va saluer le Seigneur. » Je regardais le frère Gilbert, qui alors cette fois-ci m'avait complètement, totalement oublié. Et il était dirigé, son regard, vers ce tabernacle et il parlait à quelqu'un, enfin en tout cas, il me semblait qu'il parlait à quelqu'un. J'étais très, très impressionné. Et la première pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est « Se peut-il que vraiment Jésus soit là, au tabernacle, vivant, comme on me l'avait appris au catéchisme ?» Je n'y croyais plus. Et là, je voyais cet homme s'adresser à quelqu'un, il parlait à une personne. Est-ce que Jésus était là ? La certitude s'est imposée à moi que Jésus était bien vivant au tabernacle. Et ça a été mon entrée par la grande porte, par la rencontre avec le Christ que j'ai faite, grâce à ce pauvre petit moine qui a eu le courage de me tirer le bras. Ça a été la plus belle rencontre de ma vie. Parce que je savais que le Christ était là, comme il est là aujourd'hui aussi, pendant que je vous parle. Et ça m'émeut beaucoup voilà, d'être ici et d'en reparler. Si bien qu'au bout de 40 ans, c'est comme si ça s'était passé hier matin. Prier, c'est essayer de s'habituer à vivre le moment présent complètement. Que ce soit dans la joie ou dans l'épreuve. Être présent au présent, oui. C'est ça, prier, c'est faire attention. Apprenons à nous recueillir, à rentrer en nous, si je puis dire, pour entendre. Le silence, c'est l'école d'une écoute, d'une parole que Dieu prononce en l'âme, au-delà des mots. Et quand on l'écoute, elle parle beaucoup plus puissamment et clairement que le langage articulé. C'est en se taisant, dans le silence, que l'on peut ressentir cet amour qui nous arrive. C'est pour ça qu'il est important de trouver des moments où l'on se recentre sur ses profondeurs et où on est comme en attente, comme un rendez-vous d'amour en quelque sorte. Et on attend. Et ça arrive. Et là, c'est... Ben voilà, c'est là où carrément la nuit de la foi cesse. On est pris par la main, en quelque sorte. Et on nous met debout. Et c'est l'amour qui nous met debout. Et là, on regarde dans la vie. Je me dois ça, au moins, de dire que je m'étais totalement vidé de moi-même pour le recevoir. Et maintenant, j'ai la certitude intime que ce qu'il y a de meilleur en moi, c'est le Christ.
La nuit de la foi purifie en tout cas notre vision de Dieu et notre relation à Dieu. C'est souvent des périodes de crise, des périodes de nuit, des périodes difficiles qui vont me faire avancer, qui vont me faire changer, qui vont me faire prendre conscience que Dieu n'est peut-être pas exactement celui que j'imaginais, que je ne peux pas mettre Dieu dans une boîte, se détacher de certaines images de Dieu qui finalement sont des images humaines, des images que nous nous faisons de Dieu mais qui ne correspondent peut-être pas à la réalité de Dieu. On en sort très fortifié. L'expérience de la faiblesse, avoir fait l'expérience de sa vulnérabilité, ça donne une force formidable. Charles Péguy a cette formule extraordinaire. Malheur à celui qui n'est jamais tombé, il ne sera jamais ramassé. De toute façon, cette expérience est pour le spirituel une plongée dans l'amour. Finalement, c'est la seule façon d'ailleurs de la traverser. C'est sous la loi de l'amour qu'il va continuer à vivre sa relation à Dieu et au mystère.